Eh bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Free71 pour une toute nouvelle vidéo méga astuce sur Good Game Gangster, donc ce jeu au final que je joue pas mal. Donc vous pouvez voir que là j'ai un niveau 1 qui a, regardez, sa puissance d'attaque, il a 117, son endurance 115, donc c'est un personnage juste que j'ai monté mais avec des comptes en gros. Donc là je suis en train de faire un petit compte niveau 9, d'ailleurs qui va passer niveau 10 normalement bientôt. Attendez, vous voyez que lui par exemple il a 40 000, hein, donc j'utilise aucun or, c'est vraiment pour que mon vrai personnage monte. Comment ça, j'ai déjà plus d'énergie moi? Ah oui, donc en fait il va falloir que je... Attendez, il me reste combien? Casse-toi, j'ai 4 comptes ouverts, du coup il lag un peu. Il m'en faut 63, et là, alors là, 63, je pourrais en trouver où ça? Oui là, bah déjà on en a 46, c'est très bien, boire, merci, fermer. Hop, commencer, voilà. Donc ça, après, on s'en fout. Merci. Donc la technique, les amis, on va commencer. Donc vous allez sur Good Game Gangster. Bien sûr, vous créez un compte de niveau 1. Donc en fait, vous mettez annuler. En gros, quand il vous dit le tutoriel, en fait, vous prenez pas le tutoriel, vous mettez annuler tout de suite et vous allez faire la technique. Donc voilà, vous avez votre compte niveau 1. Vous boostez, en gros, vous utilisez jamais votre argent, enfin juste pour booster vos capacités. Et l'or, bah, si vous voulez vous acheter des armes, ou alors vous achetez des armes et vous les revendez pour avoir encore plus d'argent. Enfin moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Après, donc vous avez marqué, tu débarques ici, vous en foutez après, hein, vous mettez, c'est parti. Oula, j'ai pas fait exprès, non, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc je suis allé sur le forum. Ok, la souris s'il te plaît. Allô. Allo. Ok, merci. Donc j'ai marqué, c'est parti. Donc dans là où il y a marqué ton nom, t'en fous, tu marques ce que tu veux. Adresse email aussi. Donc là, hop. J'espère que vous écoutez pas trop les bruits du clavier parce que c'est assez bruyant. Donc pour le mot de passe, vous mettez n'importe quoi, le prénom n'importe quoi, l'adresse email n'importe quoi. Voilà, donc, sauvegarder. Là normalement c'est bon. Voulez-vous en gros vous allez faire le tutoriel. Donc là vous allez prendre la femme pour le tuto, commencer, non pas retour, juste commencer, ah oui, ça on peut pas quitter. Voilà, donc vous attendez 20 secondes tranquillement, c'est pas très long à 20 secondes, c'est surtout parce que c'est elle qui donne le plus de points d'expérience et qu'elle donne le plus de gold, enfin d'argent pardon. Voilà, donc vous attendez un petit peu, là vous passez niveau 2 parce que vous avez fait un combat assez easy. Voilà, donc c'est vraiment personnellement sur internet j'ai jamais vu ce tuto et pourtant c'est le mieux en fait, vraiment c'est vraiment le meilleur tuto, parce qu'en un seul compte en gros, donc sur votre compte niveau 1 et grâce à ce compte là, donc bien sûr le compte niveau 1 faudra quand même un peu le monter, donc en fait la technique ça a été au début de créer plein de petits comptes niveau 2, donc pareil vous faites ça en gros, regardez, donc là voilà vous boostez dans la chance ou dans la robustesse hein, parce que sinon ça vous allez perdre avec votre niveau 1 là ici, donc vous continuez le tuto. Voilà, et les points que vous aurez à chaque niveau vous les mettez pas hein. C'est juste parce que là vous êtes obligé parce que c'est le didacticiel en gros, donc là vous prenez machin, voilà, vous posez ça là, voilà, donc là vous avez fini votre tutoriel, qu'est-ce que vous faites? Donc tout de suite vous n'allez pas faire ce qu'ils disent dans tous les tutos, vous allez dans le marché, vous changez ça et vous allez prendre une arme géniale. Déjà j'ai pas assez de gold pour m'acheter une arme, donc ça pue un peu le caca. Bon bah là pour le coup pas pour la vidéo je vais faire ça, voilà comme ça, donc vous prenez une arme à 450, normalement vous faites le petit truc qui tourne gratuitement, donc voilà, donc vous prenez votre arme à 450, vous allez dans votre profil vous la mettez et vous allez l'échanger avec votre vraie arme, et la TNT pareil vous allez l'enlever parce que sinon ça vous fait perdre de l'argent en l'utilisant, donc voilà, donc là hop vous vendez, vendre s'il te plaît, et là le but ça va être d'arriver à 0 en or, oui à 0, enfin de toute façon voilà, donc là vous achetez plein de trucs qui demandent de l'or, voilà, donc vous achetez des fusils, vous achetez, là il n'y en a pas à 120, il m'en faudrait à des 120, voilà, vous achetez ça par exemple, vous achetez des petits trucs, des petits mid-check. Donc après on pourra continuer parce que en tout cas le truc c'est qu'on va monter niveau 3 si vous voulez. Donc normalement pour monter un petit peu votre personnage, donc là ce que vous allez faire normal hein, quand votre personnage est pas aussi puissant que le mien il est actuellement, enfin le personnage niveau 1 quoi. Donc là normalement vous allez tout vendre, donc même ce qu'il y a dans votre équipement, normalement vous allez prendre tout ce qu'il y a, si l'équipement veut bien se mettre.
lol. Voilà, vous allez prendre tout ce qu'il y a dans votre équipement, toutes vos armes. Vous allez aller dans la boutique, vous allez tout vendre, tout vendre. Et vous allez acheter tout ce qu'il y a dans la boutique à des gold en gros. Donc vraiment tout ce qu'il y a dans la boutique qui coûte des gold. Vous allez tout acheter et tout revendre. Vous allez aller dans les duels. Vous allez marquer le prénom de votre personnage niveau 1 et vous allez l'attaquer. Et vu que votre autre personnage a pas vendu ses équipements, bah en gros il va gagner de l'argent. Donc il va gagner peut-être 6000 au début. Vraiment c'est que dalle. Hein. Vraiment au début c'est compliqué. Donc vous allez monter un petit peu. Donc vous faites ça 10 fois peut-être. Après vous commencez à gagner un petit peu plus parce que ça c'est une autre chose aussi qu'il faut absolument avoir. En gros, avec vos golds de votre niveau 1, vous allez acheter des pickpockets dans le gang parce que ça vous donne plus d'argent pour quand quelqu'un vous attaque. Enfin bref, voilà. Donc, en tout cas, moi, pour mon tuto, c'est pas ce que je fais. Donc là, en fait, moi, il faut que je commence un survival. Donc voilà, vous commencez le survival. Et avec l'arme ultra cheatée que vous avez achetée, vous allez clear le survival en 2 secondes. Mais c'est vraiment, c'est instantané. Regardez combien on perd de PV. Donc là, voilà, on s'en fiche, on les fait en 2 secondes. Tranquillement. On s'en fout de vous, merci, c'était cool. Et le but, ça va être d'arriver jusqu'au dernier, parce que la barre qui donne coûte ultra cher. Et du coup, vous allez la vendre, je crois, elle coûte d'or 1000 ou 2000. Donc, c'est toujours ça de prix. Et plus vous êtes au niveau, plus votre compte niveau 1, quand il le bat, va gagner d'argent. Donc voilà, en plus, vous gagnez des quêtes, c'est plutôt cool. Plus tard, là, il va vous dire, vous êtes passé niveau 3, du coup, c'est un peu relou. Merci bien, allez, salut. Et donc là, à partir de là... Donc quand vous passez votre niveau, si vous êtes au même endroit que moi, vous allez acheter un petit truc à 360. Voilà. Vous le revendez. D'ailleurs, ça aussi, on va le revendre. Tout ce que vous gagnez en quête et tout, de toute façon, vous le revendez. Sauf votre équipement, parce qu'il faut que vous finissiez le survival quand même. Vu que là, je suis déjà à 10 000 sans avoir vendu mon équipement, ni mon arme que j'ai acheté, qui en coûte 1800 d'ailleurs. Donc là, on commence le survival. Enfin, on le continue. Pareil, vous avez monté niveau 4 en gros. Après... Je crois que c'est l'avant-dernier combat que vous faites dans le survival va vous faire monter niveau 4. Voilà. Tac, ça lag un peu, je m'en excuse, de toute façon c'est juste parce que j'ai plein de comptes ouverts. Donc vous finissez votre survival tranquillement. Voilà, donc sans pression, vous les éclatez. Parce que vous avez l'arme ultra puissante. Et qu'en plus vous êtes niveau 3 et que eux sont niveau 2. Voilà. Donc là, vous continuez, voilà, tranquille. C'est un peu répétitif, je sais. C'est bien pour ça que je veux passer. Ce serait bien, en fait, que dès qu'on marque passer dans les survival, ça vous envoie directement au boss et que vous puissiez, en gros, finir en un seul clic. Parce que là, on doit tout le temps marteler, passer. Donc là, voilà, vous êtes niveau 4, c'est ce que j'avais dit. Donc là, par contre, vous ne vendez rien, d'accord? Vous gardez votre argent, les 300, les 130. Surtout, même si vous avez un truc de 120, vous ne l'achetez pas. Et là... On fait l'avant-dernier combat. Voilà, Charlie Poel. Regarde leur prénom des fois. Il y a plein de Poel hein, par contre. Voilà, et là, donc vous faites le boss. Enfin le boss, oui, voilà, le boss quoi. Et vous allez la tuer et donc gagner la petite barre qu'il vous donne, voilà. Et là, ce que vous faites, bon, ils vont aussi vous dire qu'un flic veut vous attaquer, donc vous en foutez, vous le tuez. Et là, du coup, vous allez prendre tout ce que vous avez comme or, donc vous allez tout ce qu'il y a, enlever tout ce que vous avez comme équipement. Donc là, vous prenez machin. Je vais vous faire juste une petite ellipse, parce qu'en fait, ça lag beaucoup quand je prends mes équipements, et du coup, ça va peut-être pas les poser. Non, je reviens tout de suite. Donc c'est bon, donc, j'ai enlevé tout mon équipement, donc j'ai vraiment plus rien. Vous voyez que je suis à 27 000, et là, regardez bien, je vais attaquer mon perso secondaire, et là... Enfin, mon perso principal est là. Boum! C'est-à-dire que lui va avoir plus 22 000. Et avec les 130 qui nous restent, et du coup, vu qu'il nous reste 5 000, ça, c'est pour avoir encore plus. Donc là, vous allez encore attaquer, du coup. Et là, attention, ça continue. Et là, boum! Il gagne encore plus 4 000. Donc, dès que vous retournez sur votre compte, donc là, vous voyez que je suis sur le petit compte. Voilà, donc là, ils nous disent ça. Et là, regardez, attention, j'en mets un. Pouf, j'ai 25 000 plus les 1500 que j'ai déjà mis dans mes trucs. Donc là, vous prenez tout, vous mettez tout. Tranquillement. Et en gros, vous allez voir que votre personnage va devenir de plus en plus puissant. Et donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à créer des petits niveaux 1 ultra puissants. C'était Free.